Allez, donc on est parti. Pour la carte pliage coucou, donc j'ai fait avec le set de tampons coucou amical et les papiers bonjour amical. Et ça, le lot papier et tampon, c'est ce qu'on peut obtenir avec Celebration. Et quand on ouvre la carte, voilà, ça fait un petit effet de relief. Donc je suis avec Raymond en visio et avec Christine, Martine et Mireille en réel. Donc de temps en temps, il va falloir que je leur montre le projet. Donc ça sera plus sous la caméra. J'ai encore un truc à régler. C'est bon. Alors, on va commencer par faire la structure de la carte. Donc, il faut une feuille A4 cartonnée blanche. Voilà. Donc, on la prend format portrait, c'est-à-dire dans la hauteur. Et on va faire une bande de 4 pouces. Donc 4 pouces par, pour le moment, 29,7. Ah, voilà, mes parties. Là. Hop. Donc ça fait quelque chose comme ça. Il faut couper. Je monte. Voilà. 4 pouces sur toute la hauteur. Donc 4 pouces par 29,7 pour le moment. Que j'ai fait. Attendez, je réfléchis. Quatre pouces. Ça doit être. Je crois que je vous l'ai fait couper dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Non, c'est juste qu'on n'a pas optimisé la feuille. 4 pouces par 8 pouces. On aurait pu le prendre dans l'autre sens. Désolée. 4 pouces par 8 pouces. Ah oui, c'était. Ok, je comprends où j'ai fait l'erreur. 4 pouces par 8 pouces. Il faut déplier le massicot. Ah, c'est le dernier de Stampin' Up. Ouais. Oui, c'est le dernier massicot de Stampin' Up, ouais, que Mireille a là. Alors, notre morceau 4 pouces par 8 pouces, on va le prendre format paysage et on va plier à 2 pouces, 4 pouces et 6 pouces. 2, 4 et 6. Vous allez le partager en 4 parties. 2, 4 et 6. Pareil. Ah, ça va être peut-être non. Pas vrai. Non. Merde, je crois que je coupe 4, 2 et. Ouais, tu risques de ne pas avoir le même, le même blanc. Le même blanc. Comme si il y a beaucoup à plier. Alors, ne pliez pas. Moi, je plie là pour montrer ce que ça donne, mais ne pliez pas pour le moment. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Ne pliez pas. Voilà. On va considérer ensuite le pli central et on va
ça fait en fait deux carrés côte à côte. Et on va plier les diagonales de chaque carré. Donc vous allez faire deux croix côte à côte. Et les croix, enfin les diagonales se croisent au milieu des deux plis latéraux. Alors, on plie, enfin, on marque les plis. Donc, pour celles qui ne visualisent pas, je le fais, puis vous pourrez le faire après, plutôt que de faire une bêtise. Alors, je vais faire, hop. C'est sur les deux carrés qu'on met les plis. Voilà. Il y a deux carrés côte à côte, délimités par le pli central, et on plie en diagonale. Voilà. Donc, ici. Ne pliez pas pour le moment. Je plie moi pour vous montrer ce que ça donne. Regardez les filles. Donc là, j'en ai fait un. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Mireille, tu vois? Ah, mais c'est sur le premier? Sur les deux, on le fait. Moi, j'ai fait en plein milieu. Ah non, c'est pas en plein milieu. C'est pas en plein milieu. Tatinette, tu vois? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Parfait. Raymond, c'est bon? C'est bon. Et là, je fais le deuxième parce que je n'avais fait qu'un. Des fois, je me trompe. Hein. Donc, on plie. Et j'ai dit, je vais mettre du scotch parce que la première fois, je me trompe. Au lieu de plier, je prends de l'autre. Je coupe. Hein, plier. Pour couper, c'est pas grave. Mais... Bah, le contraire, c'est plus emmerdant. Ah bah, à la limite, je vais vous... Je m'absente 30 secondes de l'écran, je reviens. Je vais vous mettre mon téléphone, parce que moi j'ai le retour. Alors du coup, si vous voyez, tu n'as plus rien sur le téléphone, il faut me le dire. Hein. C'est pas un problème. Vous voyez ce que je filme. Vous verrez mieux, je pense. Voilà. Alors. Donc, pli central, c'est pas la peine de le plier. Les deux plis à gauche et à droite, on va en faire des plis montagne. Donc, vous devez avoir quelque chose comme ça. Il faut que ça fasse deux carrés en fait, recto verso. Il faut que ça fasse deux carrés. Recto-verso. Oui, on peut dire comme ça que ça fait des petits volets au verso. Oui. Comme ça? Oui. Je range mon massicot. Et ensuite, les diagonales, on va les plier pli vallée. Donc là, c'est pli montagne. Les diagonales, on va. Hop. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, en creux. Ah, pour les deux carrés. Et vous devez avoir quelque chose comme ça. Attends, fais-moi voir comment ça fait. Je vais les plier comme ça. Donc ça, montagne, c'est et toutes les diagonales en vallée. Dans ce sens. Oui, alors, donc pli montagne comme ça, et pli vallée, tu replies... complètement les diagonales. Raymond, c'est bon? Ouais. Montagne, le pli sort comme une montagne. Et vallée, le pli est complètement en creux. Et vous devez être capable de plier votre forme comme ça. Ah, tu vois pas sur l'écran? Ah si, ça je vais pas recevoir. Moi, comme ça. Comme ça. Donc puis comme ça, et l'autre, tu te tournes dans l'autre sens. Mais moi, ça va pas marcher, plus que ça. Et du coup, ça peut monter. J'arrive pas à faire moi voir sur un. Je te laisse, on va. Alors. Donc là, montagne. Et là, vallée, ouais. Tu vois. Toc. Mmh. Toc. Ah, d'accord. C'est quoi? Ah oui, j'avais pas con. Oui, c'est tout ballot, en fait. C'est tout ballot. Alors, la montagne, c'est parfait. Ouais. Les vallées. Comme ça, ah, voilà. Ce que je voulais faire, oui.
Ah oui, quand on comprend le système. Là, tu te fais ben voilà. Du centre, là, rectangulaire. Rectangulaire. Mais c'est ce que je voulais faire tout à l'heure, ça marche. Ça. Si, 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 ça, c'est comme ça. Et puis ouais, j'ai pas optimisé le coupa, la découpe du papier, mais si vous la gardez pour la semaine prochaine, celle-là, elle sera déjà au bon format. Et comme ça, on va optimiser sur deux ateliers. C'est bon, ouais, tout le monde a son pliage. Alors, deuxième feuille blanche, cartonnée. Format paysage, pardon, format portrait, comme tout à l'heure. Donc tout en hauteur, une bande de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi, hop, en vrai, vous avez quelque chose comme ça. Ouais, c'est bon, Mireille, tu vois. Et dans la longueur, on recoupe à 8 pouces et demi. 8 pouces et demi. 8 pouces et demi. 5 pouces et demi par 8 pouces et demi. Ensuite, on va plier. Alors, je vais vous montrer déjà parce que c'est un huitième de pouce. Je sais que vous ne m'aimez pas ça. Ça va bien se passer. C'est d'avance. Vous voyez bien là sur l'écran, 2 pouces, 1 huitième. Donc, 2 pouces, 3 pouces. Je vous marque là, je vous montre là. Donc, 2 pouces, 3 pouces, 2 pouces et demi. Ça, vous connaissez. 2 pouces, 1 quart. Ça, vous connaissez. 2 pouces 1 huitième, c'est entre 2 pouces et 2 pouces 1 quart. Donc c'est là. 2 pouces 1 huitième, c'est 5 cm 4. On plie ? On plie. De chaque côté à 2 pouces 1 huitième. Donc format paysage, le morceau qu'on vient couper. 2 pouces 1 huitième de chaque côté. 2 pouces 1 huitième de chaque côté. Le creux du pli à l'extérieur, le bourrelet à l'intérieur. Et normalement, vous avez une carte à voler. Ça se touche presque. Enfin, ça se touche. Ça dépend de comment vous êtes droit. Il y a du travail à la chaîne, là. Il y en a une qui plie, une qui colorie et une qui découpe. Elle a pas amené son massico. Ouais, écoute, moi ça se chevauche quand même. Ah non, nickel. Ouais. Ouais, moi d'un côté un tout petit peu. Ouais, si ça se chevauche un tout petit peu, vous pouvez ajuster au ciseau. Je vais le retravailler comme ça, simplement. Ah moi c'est plus. Ah mais j'ai pas pris mon truc. Toi, t'as un super massico, hein, toi. Oh, il est tout neuf, toi. Moi, le mien, il a déjà du vécu, hein. Quand je suis arrivée là, c'est une paire d'années hein, déjà. Il y a aussi des produits Vous avez du jus. Non, vous avez tout. Il faut peut-être changer la réglette simplement ici, ça peut-être se change. Je sais plus si je pense qu'il a.
C'est à force de les trimballer, je me rends aussi. Moi, quand on les trimballe. J'en ai un, c'est pas non plus. J'ai distribué les kits à tout le monde et j'ai oublié le mien. Ah là, tu vois, hein, ça va être plus compliqué. Faut que j'arrête de rouler sur mon câble. Pardon. Allez. Ensuite, dans le kit, vous avez plein de choses. Alors. Donc vous avez un papier là avec des petits pois. Alors vous pouvez inverser les papiers comme vous voulez, hein, si vous préférez. Moi j'ai pris dans ce sens-là. Celui-là on va l'utiliser tel quel, on va pas le recouper. Vous avez deux bandes. Ok, normalement deux bandes. Moi j'en ai qu'une, mais je vais retomber dessus. Deux bandes comme ça. Violette. Oui, voilà, violette avec des fleurs noires. Et l'autre côté, si vous préférez, on n'y touche pas. Vous avez encore deux bandes à rayures que vous pouvez mettre de façon symétrique. Et vous pouvez utiliser l'autre côté si vous voulez. On n'y touche pas. Hop, vous avez les tamponnages. Le petit souhait. Le bandeau qui est en partie plié pour que ça rentre dans l'enveloppe. Un petit carré vert grenouillirette. Donc tout ça, on n'y touche pas pour le moment. Et il vous reste deux gros carrés. Voilà. À fleurs d'un côté et à petits motifs de l'autre. Voilà. Alors, je vais relire mes notes avant de vous faire faire des bêtises. Ouais, parce qu'on n'a pas de rable. Hein. Alors, on va commencer à les couper en diagonale. Donc, uniquement les deux gros carrés, là. Pour bien couper, si vous avez un massicot qui n'est pas complètement avec une lame neuve, alors on positionne bien les coins au milieu de la rainure. Et on n'attaque pas par une extrémité, on va attaquer par le milieu. Je mets la lame au milieu et je fais aller-retour. Et ça me permet de pas froisser les pointes. Les deux On va déjà, oui, couper les deux papiers, chacun une diagonale. Les deux papiers, chacun une diagonale. Ensuite, je vous laisse faire, donc chacun une diagonale. C'est bon, Raymond ? Ouais. Ok. Donc pour le moment, pardon. Ouais. Pour le moment, tout le monde a quatre triangles de papier à motif. Oui. Oui. Alors, ensuite, on va faire l'autre diagonale, mais c'est plus un carré. Donc on ne sait plus trop comment viser. Donc la meilleure façon, c'est de s'aligner sur le bord du massicot et d'aligner la pointe du triangle sur la rainure. Et on commence par la base, pas par la pointe, pour ne pas la déchirer. Et là, avec un triangle, j'en fais deux. Donc au final, j'aurai quatre triangles de chaque couleur. On fait à tous, c'est l'équivalent de la deuxième diagonale.
C'est bon ? Alors, ensuite, je vais pouvoir commencer à positionner sur ma structure en pliage, sachant qu'au centre, là, j'aurai le vert grenouille aigrette. Ça peut vous donner une idée des couleurs à mettre. Et je vais commencer par choisir les deux gros triangles sur les extrémités. Donc, moi, j'avais pris du bleu. Mais vous prenez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez piocher sur les deux côtés, sur les deux faces. Bon, moi, écoute, je suis en train d'idée. C'est tout comme ça en bleu. Sandrine, elle a déjà tout réfléchi, on fait pareil. Voilà. Le vert, il est un tout petit peu grand, c'est normal. Il est un tout petit peu grand, bah le normalement, vert. Il... Non, le vert, non, il n'est pas trop grand. Bah, un tout petit peu. Non. Ah. T'as pas de chance. Ah, bah, tu le recouperas, ouais, tu le retailleras un petit peu, Mireille, s'il y a besoin, avant de le coller. Pour le moment, on ne colle rien, hein, juste on positionne. Et donc, une fois que vous avez sauvegardé les triangles les plus gros, on va en recouper en deux pour les autres parties. Donc, même technique. On tous ? On va les faire un par un. On fait lesquels d'abord, alors ? Les verts ou les oranges ? Bah, faites-en un de chaque. Faites-en un de chaque. Donc, toujours pareil, on appuie la base, on met la pointe dans la rainure du massicot. C'est pas mal comme idée, ça. Et on coupe. Mmh. Ah bah oui, hein, je suis là pour vous montrer les petites astuces. Hein. Hop. Donc, hop, pour le moment, je fais un violet, un bleu. Un de chaque. Et puis, les bleus... non, d'ailleurs, les... Hop. Moi, je vais utiliser... Ah oui, d'ailleurs, je n'avais même pas utilisé le bleu. Ouais. Donc, vous faites ce que vous voulez pour avoir tout. Moi, je vais en refaire un violet de plus. Je vous montre. Moi, j'ai utilisé uniquement ces papiers-là, violet et orange. Je n'ai pas utilisé ça. Hop, ouais, moi, j'ai mis les violets ici à l'extérieur et le orange à côté du vert. Mais vous choisissez les couleurs que vous voulez. Il va vous rester deux triangles à la fin. Donc moi, il me restera mes deux gros triangles bleus. Et je vais utiliser tous les triangles violets et orange. Le violet, tu le mets ? Oui, c'est ça. Je la mets juste contre le vert. L'orange, ouais, contre le vert. Je finis de couper et puis je vous remontre à l'écran. Voilà, alors moi j'ai mis le orange contre le vert. Hop, alors après, il faut avoir quelques petites notions de repères dans l'espace pour mettre le triangle dans le bon sens. Mais ça va bien se passer. Hop. Je sais pas, moi, je sais pas si c'est ça. Alors. Hop. Est-ce que vous voyez à l'écran, les filles ? Ouais, moi, je vois bien. Et après, tu as recoupé quoi ? Orange et violet encore. Ouais, moi, j'ai utilisé, vous voyez, il me reste mes deux gros triangles bleus. Je ne les ai pas utilisés. Je peux les utiliser sur un autre projet. Un bleu. Ouais. Et un orange. Ouais, bah ça dépend de la combinaison que tu as mis. Bah, j'ai fait tout comme toi, pourtant. Alors, je n'ai pas dû faire tout comme toi. L'orange, il faut toujours combien ? 4. Ah, mais ça, c'est des fleurs oranges. Tu as mis fleurs oranges de chaque côté de, oui, fleurs oranges de chaque côté, oui. Ah, d'accord. Je vais les couper. Pourquoi moi, j'ai repris ça ? Ah, mais les fleurs, moi, j'ai pas ça. J'ai pas des fleurs oranges. Là, on recoupe, orange, hein, si on n'a pas de fleurs. Oui, on recoupe, mais pas plus petit que ça, hein, Mireille. Hein. Non, mais c'est ça. Parce que j'ai pas d'orange. L'orange, les fleurs oranges, elles sont au dos du violet. Donc moi, j'ai utilisé tout mon papier violet. C'est violet. En recto violet et en verso orange. Ou inversement. Donc moi, il me manque quoi là-dedans ? Il m'en manque. Attends. Pas de panique. Pas de panique d'abord. Moi, je vais les couper. Et donc, tu as mis orange et violet, en fait. Voilà, orange et violet. Et le bleu, ouais, juste les gros triangles sur les côtés. Voilà, d'accord. Mais c'est mon choix de couleur et vous pouvez faire comme vous voulez. Non, mais c'est bien. C'est des petits ou des gros ?
Les gros triangles, ils sont uniquement à droite et à gauche, Mireille. Et après, c'est des petits. Donc, garde bien quand même, Mireille, deux gros triangles. Hein. Voilà. Ne les coupe pas tous. Et tu as coupé tous tes violets ? Mmh. Et voilà, regarde. Moi, j'ai coupé tous les violets et du coup, il me reste deux gros triangles bleus. Ou un triangle gros et deux petits. Pour l'instant des petits. Voilà. Après, il faut pas comme les violons que je fais. Pour mettre un ici, un ici, c'est ça. Regarde, tout comme ça, Mireille. Ben, moi j'ai mis le violet. Après, il faut mettre un je vais voir ce qui se passe sur la table, je reviens. Les quatre oranges, si tu veux faire comme Sandrine. Oui, je c'est ça, hein, Sandrine. Ouais, tu recoupes cela en deux. Cela en deux. Là, c'est ça? Oui, oui. Ça y est, c'est tout bon. Allez, donc, tu recoupes tes deux, triangles violets en deux. Commence peut-être d'autre côté pour ne pas abîmer la pointe. Non, il va de l'âme. Voilà, donc là, tu as deux. Tu en utilises par exemple tes deux côtés orange. Là, tu peux mettre orange et encore orange. Et celui-là, tu le recoupes encore en deux pour les deux violets qui te manquent. D'accord. Là, tu as tes deux grands bleus. Tes deux grands bleus qui sont là. Voilà. Il y en a un plus. Ouais, il en reste un. Il reste voilà. Deux même. Moi, il me reste un grand triangle et deux petits. Ouais. Ah, tu veux que j'arrive, Tatinette ? Il faut que je les coupe. Si tu veux faire comme. Le bleu, tu coupes pas. Enfin, je sais pas si t'en as un là. Regarde. Ah, non, c'est... Oh, si tu veux faire le sud de Sandrine, tu recoupes l'orange. Ouais, c'est que du orange et du violet en fait sur les petits. Touchez plus. Là. Et là, il y a un violet. Et théoriquement, il reste. Et il vous reste soit deux grands triangles, soit un grand et deux petits. Non, parce que tu les as tous. Regarde, là, t'as un violet. T'as un violet par terre. Ah, mais j'aurais mis deux, là. Ben voilà. Idiote. C'est celui-ci. C'est toi, tu mets les violets à l'intérieur, on s'en fout. Moi, j'ai mis tous les oranges à l'intérieur et tous les violets sur l'extérieur. Ah, t'as mis quatre oranges. J'avais mis un sur deux. Ah, mais après. Ah, mais vous faites la combinaison que vous voulez. Hein. T'as mis les quatre violets dedans, Sandrine ? Les quatre oranges. Les quatre oranges autour du vert, moi, j'ai mis. Les quatre oranges et les quatre violets. Après, mais tu fais comme tu trouves joli pour toi. Voilà. Moi, je ne vous prends pas la tête. Moi, je suis en séance d'idée, tout pareil. Voilà. Touchons plus. C'est tout bon. Touchons plus. Voilà. Et une fois que c'est tout bien positionné, ben on va coller. Ah bah, hein, en laissant une petite marge blanche autour, enfin harmonieux quoi. Et puis bah si votre papier vert il est trop grand sur par rapport au pli, bah vous le recoupez un petit peu, mais normalement il est censé faire la bonne taille. Voilà, vous regardez bien sur chaque segment pour qu'il y ait la même marge tout autour, la même marge blanche tout autour du papier. Je n'ai pas ancré, ça va être une carte rapide. Mais si vous voulez ancrer. Non, mais ça m'a surpris. Ouais, mais là, c'était des couleurs toutes douces. Je n'avais pas envie ni de rajouter du gris, ni de rajouter du marron. Et puis.
Et puis ça va être carte rapide. Hein. Ah, Raymond, t'as le bonjour de Sullivan. Il était avec nous ce matin. Tu t'es dit c'est calme. Non, je lui dis qu'on n'aurait certainement pas le temps aujourd'hui. Après, pour que tu me trouves une carte pour un mariage, Sandrine, ce qu'il veut que je fasse. Ah, elle joue Animal Crossing. Mmh. Oui. Eh ben, Martine, oui. Une carte pour un mariage. La semaine prochaine, on fait une carte avec un cœur doré. Donc, je change. Dis, je peux pas, il faut que je change, c'est mercredi que je revienne. Parce que le jeudi, j'ai dentiste. Ah, ça va. Tu vas pas avoir dentiste à vie, ça va durer quelques semaines. Ouais, jusqu'à mi-février. Ouais. Eh ben écoute, au mois de mars, je fais une carte mariage. Ça te va ? Allez. Allez, on prévoit ça. Ça sera fait, mais ça sera une jolie carte. Une filleule qui se marie, donc j'assure. Ici ? Toi, tu as inversé les couleurs. Tu ne bouges plus. Ça se verra. L'importance quand même qui s'en vient, c'est au gré de toute façon, tous les papiers sont coordonnés. On ne peut pas faire de fausses notes. On n'a pas de faute de goût, il y en a pas. Et ça serait bien que ça serait fait aussi, celle-là. Ou on puisse mettre un chèque dedans, hein, Sandrine. Alors, pour le mois de mars, une carte de mariage, on puisse mettre un chèque dedans. Ah oui. Ok. Je vais réfléchir à ça. Si je peux vous réclamer. Là, on colle bien le long des plis et pas sur les plis. Et votre carte, elle doit toujours être capable de se refermer, hein, une fois que vous avez collé les papiers. Le verre est à l'intérieur, oui. Ah, il faut que tu inverses les plis alors. Si tu as fait les mêmes couleurs que moi, ta tinette, en trop, il n'y a que du bleu et blanc à motif. Ah,
tous les violets, tous les oranges, tu les utilises, si tu fais comme moi. De toute façon, on a largement le temps, vous stressez pas. Non, puis bon, toi tu dois partir, mais moi je suis là, j'ai les clés. Ouais. Le coloriage, on finira le coloriage. Non, mais on a largement le temps de colorier. Là, il reste 3 bouts de papier à coller et après, on attaque le coloriage. Oh. Le collage, peut-être. Hein. Ouais. Et le découpage. Mais il y a peut-être du dye, non? Ouais, non, il n'y a pas de dye. Il y a un petit peu de découpage, oui. Mais on est bonnes, les filles, franchement. Découpage. Oui. Le verre, il faut le coller, je suppose. Oui. Ben, je crois que j'ai fini. Voyons voir si ça plie. Yes, ça plie. Moi aussi, mais bon. Non, on est sauvés. Ça plie. Ah, en relief, ouais, non. Ça mousse. Le verre, il est en creux. Ouais, le verre, il est en creux. Ça, c'est pli montagne en relief. Et toutes les diagonales en creux, pli vallée. Ouais, nickel. Bravo Raymond. À la place du coucou, on peut le choisir. Ah bah oui, vous changez le souhait. Hein. Le souhait, c'est vrai. Si vous aimez pas. C'est rigolo. Oui, mais le coucou fait anniversaire de là. Ouais, moi aussi, je mettrai coucou et anniversaire. Coucou anniversaire. Alors, c'est bon? Ah, ça plie Mireille? Oui. Ça plie. Oui, ça plie. Pas tout à fait droit, mais ça plie. Écoute, c'est du fait maison. Plus rapide pour Marcel surtout. Ouais. Nous, on a un peu la patience. Ouais. Ouais, mais là, c'est du pré-mâché. Hein. En fait, t'es à la retraite maintenant. Hein. Ouais. Tout ce que je dois faire, là, il faut que je casse tout, moi, de novembre à mars. Tout ce que vous faites, vous, de septembre à juin. Ouais, je ne sais pas grand-chose. Alors, ensuite, pour finir cette partie-là, il nous manque un petit carré de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Donc, dans blanc. Dans une chute, dans une petite chute. 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Et ça viendra ici, et c'est ici qu'on mettra le petit mot. Le petit compliment. 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Mireille, elle fait. Ah, tout pété, Mireille. Mais pour remettre au milieu, c'est ça? 2,5 par 2,5 en pouces. Et c'est pour mettre au milieu de la carte, au milieu du carré vert. 2,5, c'est entre 2 et 3. Voilà, vous alignez bien, vous alignez bien les pointes. Et on le met où? En plein milieu du carré vert. Tiens, regarde Mireille. Oui, tu vois sur l'écran. Ouais, c'est bien sur l'écran, hein, comme ça vous êtes comme si vous étiez juste devant moi. Et moi, on va peut-être pas le coller. Ah, tu l'as collé? Si on veut mettre quelque chose dessus. Bah, à la limite, c'est le collage final qu'on fera part. Comme ça, ça, vous pourrez toujours écrire à plat. Parce que là, si je veux un anniversaire au milieu. Mais tu peux le coller et simplement, on ne collera pas ça dans la base. Je vous montrerai, mais tu ne colles pas tout de suite. Oui, c'est là qu'il ne faut peut-être pas après coller. Bon. Ouais. Je collerai à la dernière minute. Même pas peur, monsieur Croque. Moi, j'ai même pas peur. Même pas peur. Bon, allez, je vais faire comme vous. Après, tu vas perdre ton carré, tu ne sauras plus. Tu vas perdre ton carré, tu ne sauras plus. Et donc, les filles, là, s'il te plaît. Hein? On se calme. On se calme, hein. Ça va être joli. Hein? Voilà. C'est ça qui est important. Il faut regarder que ça ferme. Yeah.
C'est bon, vous avez collé le petit carré blanc. Alors ensuite on va pouvoir prendre vraiment la base de la carte, la partie avec les volets. Moi ce que j'ai mis c'est le papier avec les espèces de petits pois gribouillés au fond, les bandes verticales sur les côtés à l'intérieur de façon symétrique. Vous voyez là j'ai le orange à l'intérieur et le bleu à l'extérieur. Non. Ah non, non, mais vous n'avez pas les mêmes bandes, mais... Oui, les deux verts. Voilà, et donc ça c'est l'intérieur, mais si vous préférez un autre côté de papier, hein, vous faites comme vous voulez. Et j'ai mis les papiers violets, ouais, mauve, à l'extérieur. Voilà, tout bien centré. Et on colle. Et sur le site, après, Sandrine, il y a les dimensions des feuilles à couper. Non, il n'y a pas les dimensions. Alors, pour les dimensions, non, mais une prochaine fois, soit vous mesurez les papiers sur votre carte, et ça, c'était des carrés, les triangles verts, donc vous mesurez juste un côté, ça va vous donner la dimension. Ça doit être en pouces, normalement, je fais tout en pouces. Donc voilà pour l'intérieur et ensuite l'extérieur. Non, elles n'ont pas de sens. Le papier, il a des fleurs dans tous les sens. Et puis après, suivant le morceau que tu as, ça peut tomber dans un sens ou dans un autre. Mais sur toute la feuille, il y en a dans tous les sens.
C'est concentré ici. Hein. Et voilà, voilà. Le tour est joué. C'est tout bon ? C'est tout bon. Oui. Alors ensuite, je vais vous montrer comment coller, mais peut-être que vous n'avez pas collé tout de suite. Si vous voulez être à l'aise pour écrire le petit mot, vaut mieux écrire là à plat et puis assembler la carte vraiment au dernier moment. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est indiquer où vous allez mettre la colle. Donc ici, la partie vraiment pliage, je la retourne et la colle, elle va aller là. Donc vous pouvez marquer l'emplacement où vous mettrez la colle. Sur les deux triangles extérieurs. Sur les deux triangles extérieurs, tout à fait. Là, là. C'est ces deux là. Les deux pointes là, ouais. Ici. Mmh. On est de colle. Voilà. Je vais mettre colle parce que pas du tout comme ça. On pourrait dire, c'est quoi les gabouillons? Si tu veux écrire le petit mot à plat, vaut mieux que tu colles chez toi. Je vous montre quand même. Moi, je vais la finir. Donc, moi, je mets la colle. Après, vous faites comme vous voulez. Et je vais vous montrer les deux options pour coller. Donc là, dans tous les cas, on va mettre la colle donc sur les deux grands triangles extérieurs. Toc. Je centre, alors dans un premier temps à l'œil, et je vais aligner le bord de la carte là avec le volet avec le bord de la structure centrale. Aligné, toc toc. Et je mesure, je dois avoir 2 cm de chaque côté entre la pointe verte et le... Et la base de la carte, je dois avoir 2 cm. Donc vous vérifiez avant de coller définitif que vous êtes bien centré. Voilà. Hop. Donc là, je suis bon. J'aligne bien les bords. J'aligne bien les bords. Donc, bien aligné. Structure interne et structure externe, bord à bord. Et là, vous avez 2 cm entre la pointe là et le bord de la carte, et 2 cm entre la pointe et le bord de la carte. Et quand... Voilà. Et vous vérifiez que ça ferme bien, mais normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, vous faites comme vous voulez. Soit vous le laissez comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir pas mal la carte et que ça se retrouve à flotter. Soit vous faites comme j'ai fait, non d'ailleurs comme j'ai pas fait là, je vais le faire là. Soit vous vous dites je veux que ça soit au fond, donc je rajoute un peu de colle. Je vous montre les deux, moi je préfère quand ça flotte, mais les deux sont possibles, j'ai vu les deux, et vous collez le fond. Voilà, c'est comme on aime. Donc ici, oh là là, la grosse trace de colle, hop. Soit, tu colles, mais du coup, ça s'ouvre un peu moins, mais c'est bien à plat et peut-être que vous pouvez écrire comme ça. Soit, vous le laissez flottant, on peut ouvrir un peu plus et ça se soulève un peu. C'est vraiment comme vous aimez, les deux se fondent. Et de toute façon, vous pouvez changer d'avis au dernier moment et mettre juste un point de colle en dessous, glisser et appuyer. Donc, à la limite, si vous n'êtes pas fixé tout de suite, je vous dirais de le laisser flottant. Vous aurez toujours la possibilité de coller après. Et moi, je vais m'essuyer, je vais me laver les mains avant de mettre des traces de colle partout. Je reviens. C'est trop facile. Hein ? C'est vraiment trop facile. Bon, je dis rien. Ça va attaquer le coloriage et là. Et là, je suis moi aussi, mais non, ça va, maintenant, tu colores bien. Maintenant, tu t'es exercé avec le Noël.
pour un. J'ai rien collé. Non, mais. Une fois que t'auras. Admettons que ça soit collé. C'est quoi ça, Lily? Ça, c'est du bleu. Tout clair. C'est pas bien, toi. C'est quoi ça? C'est mou, je pense. Ici, une partie, c'est mieux. En fait, ou pas, parce que c'est peut-être mieux. Et qu'est-ce qu'on avait pris, nous? Ton papier, toi, non? Ben non, je sais pas, j'ai fait comme j'ai fait. Puis c'est une partie, ben on a... Oui, il est plus à tête le nôtre, il semble. Ah, c'est ça que... Ah, il y a un problème de pliage, là, j'arrive. Non, mais... Ouais, je sais pas pourquoi je la colle pas. Tiens. Mais tu voulais le coller maintenant, toi? Non, mais en fait, je comprends pas bien. Mais si, parce que il va pas être à plat, ton motif. Attends, ça va, non? Mon papier peut-être trop épais. Ouais, papier un peu épais, ça se superpose un peu. Ouais, ça sera moins plat, mais. Ça sera moins plat, plat. Ça sera moins plat. Et de toute façon, il y aura le bandeau. Hein. Et là, tu vas coller. Là. Là, mais ça se voit. On va sortir une partie piscine. Ah, d'accord. Ça se passe pas. Là, j'ai partie piscine. J'arrive. Piscine, partie. Là, regarde, tu vois. En fait, oui. Ah, mais t'en as un clair et un foncé. Ah, bah, je sais pas. Ouais. Clair. Oui, foncé. Ah. Et là, tu vois, il est pas collé. Le... Ah, oui, tu l'as pas collé. On a pas dit. Alors, on est prête à colorier ? Oui. Ouais. Alors, ensuite, coloriage. Bah, je vous montre. Je vous mets mon modèle devant les yeux. Alors, moi, j'ai voulu. Pas trop m'éloigner des couleurs du papier. Et vu que j'avais déjà pas mal de violet sur l'extérieur, là où j'aurai mon oiseau, j'ai pas voulu rajouter encore du violet. Donc je suis partie en piscine partie pour les fleurs. Donc clair et foncé, ardoise bourgeoise pour l'oiseau, clair et foncé. Et j'ai dû prendre... Tarte au potiron foncé pour le cœur des fleurs et j'ai pris vert olive clair pour tous les feuillages. Mais si vous avez grenouille guillerette, c'est encore mieux. Hein. Qui ça ? Grenouille guillerette, mais tu ne l'auras pas là. Vert olive clair. Vert olive clair, là c'est foncé. Alors. Ardoise bourgeoise foncée. Ouais, et un petit olive, peu. Tu m'as dit quoi ? Claire. C'est celui-là, là. Moi, j'ai foncé. Non, c'est pas ça. Vert olive clair. Vert olive clair. Vert olive clair. Vert olive clair. Alors, j'attends Martine qui n'est pas à l'aise au coloriage. Donc, ici, j'ai fait les cœurs des fleurs. Donc, je commence par les grosses fleurs. Tarte au potiron foncé. Oui, j'en commence juste une pour vous montrer le principe et après toutes les fleurs ça va être pareil. Mais du coup, il faudra peut-être vous faire les fleurs une par une pour que tout le monde ait un peu tous les feutres. Ensuite, piscine partie claire. Je vais colorier toute une fleur, piscine partie claire. Toute une fleur, vous choisissez. On va en faire une fleur en entier tous ensemble. Et puis après, ça sera le même principe pour toutes les fleurs. Donc je vais attendre que tout le monde ait colorié une fleur entière en piscine partie claire. Claire, ouais. Donc c'est vraiment coloriage basique. Hein. On n'essaie même pas de faire des dégradés. C'est vraiment avoir quelques petits effets de façon simple. Il va falloir changer le parti. Et si je prends le doux ciel. Tu peux prendre le doux ciel, mais il faut que tu aies le doux ciel foncé qui aille avec. Doux ciel foncé. Ou un truc qui. Un poil plus foncé, quoi. Ça va être un peu plus foncé Copacabana, mais ouais, tu peux faire Copacabana. Non, c'est juste pour, doux ciel foncé. Je te
le mettrai de côté celui-là, Sandrine. Oui. Le stylo, là. Ça sera très foncé, le tissu. Bon, non, je vais te le prêter. Vas-y. Piscine partie, c'est ça? Piscine partie claire, oui. Oui, et puis si vous n'avez pas... Oui. Mais bon, on a le temps de colorier. Vous me dites quand tout le monde a fait au moins une fleur avec piscine partie claire. Et l'autre, tu l'as fait foncer ? Non, 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 déjà... Piscine partie claire et après je vous montre. Mais c'est du, j'ai du papier brillant, moi aussi avec des paillettes. Moi j'ai le stylo. Ah oui, c'est, j'ai mis du papier ouais. Blanc miroitant ouais. Parce que je sais que tout le monde n'a pas des feutres à alcool, donc c'est pour vous permettre de faire à l'aquarelle si vous n'avez pas de feutre à alcool. J'ai pas le même bleu que vous, mais ça fait rien. J'aime bien Potimarron. J'adore, monsieur. Mmh. J'ai citrouille. Non, bah, c'est pareil. La même famille. Curcubitacé. Oui, aussi. Non, on a planté au jardin, mais j'en ai pas beaucoup qui ont donné. Il y en avait une grosse et elle a pourri. Et du fond. Donc on n'y avait pas vu. Elle l'a mis dans une cagette, Jean-Pierre. Et puis quand on a voulu, punaise, quand il l'a soulevé. Et ben voilà, c'est tout foutu, ma belle courge. Mais ça tient de la place dans les jardins. Mmh. Tatinette, on voit que c'est Anne qui lui a appris à colorier. On voit que c'est Anne qui t'a appris à colorier. Ah, oui, 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 oui. T'as le même rythme. Alors, donc, une fois que vous avez une fleur en bleu clair, on va revenir avec le bleu foncé. Donc, si c'est piscine partie, vous prenez le piscine partie foncé. Et je vais faire une sorte de reflet. Vous voyez là, je suis un côté de pétale et j'étends jusqu'au haut. Je vais le faire, hop, je vais tourner sur toute la fleur. Après, si vous maîtrisez le coloriage, allez-y. Hein. Là, c'est la technique pour les débutants. C'est les effets pour les nuls. Mais si vous savez faire mieux, allez-y. Hein. Donc, hop. Vous voyez bien à l'écran ? Oui, des ombres, tu sais, au Martine ? Oui, oui, moi, ouais. Écoute, je vais faire... Non, Martine, elle est au top. Hein. Elle est au top. Ah ouais, ouais. Je le sens comme ça. Et ensuite, eh ben, je vais repasser tous les traits noirs hop, pour faire... Enfin,
tous les traits noirs à l'intérieur, pas forcément le contour des pétales, j'ai déjà fait. Hop. Tu fais tous les traits noirs. Hop. Toc toc. Si je veux un peu colorier l'intérieur de la fleur, je peux rajouter un petit peu d'ombre à ce niveau-là. Et si je veux estomper un petit peu ce que je viens de faire, je reviens avec du piscite partie claire par-dessus mes traits foncés pour estomper un petit peu. Et après, en dernière touche, on mettra un petit peu de paillettes Wink of Stella et ça sera magnifique. Donc là, c'est encore un petit peu foncé, il faut que l'encre s'évapore. Mais on a une fleur qui a déjà un petit peu de relief. Et puis comme ça, bah, je fais toutes les fleurs. Et puis l'oiseau, c'est un peu le même principe. Je vais le faire en gris clair, tout partout. Donc ardoise bourgeoise claire. Je ne fais pas l'œil, hein. Je le délimite pour que le petit point blanc, il reste blanc à l'intérieur de l'œil. J'essaie de colorier dans le sens des plumes. Il n'y a pas trop de marques de feutre, mais bon, autant le faire dans le sens. Et avec mon foncé, je vais venir faire là le bas du ventre. Hop, et puis le bout des plumes, le bout de l'aile et le bout des plumes. Et voilà. Ça, c'est un moineau. C'est un moineau. Bah, ouais, c'est plutôt un colibri à la base, mais. Ouais. Vu les fleurs et vu la taille du bec, c'est plutôt un colibri, mais je voulais pas trop faire de couleurs trop étantes. Je pense, ça, ouais. Bref, c'est un oiseau. Pas beaucoup de colibris ici. Il y a longtemps que je les ai vus, moi, mais il me semble que ça a quand même un bec plus long, mais. Bec plus long et plus, oui. Mais c'est un long bec pour un moineau, je trouve. Hein. Le bec, j'ai laissé noir, ouais. Mais après, vous faites comme vous voulez. Alors, Sandrine s'obstine avec son vieux feutre, alors qu'elle en a racheté des neufs. Ça va Raymond, t'as les bonnes couleurs, c'est pas trop foncé en Copacabana. Oh bah nickel. Parfait. Hey, coucou Anne. Ça va mieux? Oui, là ça t'a pas réussi. Hein. Bon, Anne, on a remarqué que c'est toi qui avais appris à colorier à tatinette. Vous avez le même rythme de coloriage, vous êtes aussi appliquée l'une que l'autre. Elle est là, il y a tatinette, il y a Martine et il y a Mireille. Bonjour de Anne. Salut. Après, je peux finir les oiseaux, moi, pendant le chien. Je fais les oiseaux, moi. Ouais, on va
le mettre de côté. Celui-là, on en a déjà mis un hier, hein, Sandrine, de rose. Oui, oui, mettez de côté tous les feutres qui ont besoin d'être renouvelés. Et par contre, il faut bien les fermer. Hein. Non, mais celui-là, il a la pointe. Il marche encore un peu quand même. C'est la pointe qui est abîmée, tu sais. Ah, d'accord. Et il a dû être fermé avec le bouchon. C'est celui-là qu'on sait. Non, j'ai pas celui-là. Il est plus clair que l'autre. Alors, Anne, pour toi, c'est un colibri ou c'est un moineau, cet oiseau? C'était le gros débat. Non, pas le pelican, c'est bon. Un oiseau. Alors, elle dit colibri. Le colibri, c'est le plus petit oiseau du monde, je crois. Hein, c'est ça, Anne. On en a vu en Martinique. Ça lui fait des ombres comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est un style qui est fou. On ne peut pas colorier comme il faut. C'est magnifique. C'est magnifique, et ben tant mieux. C'est magnifique. Oh bah oui, c'est magnifique. Bravo Raymonde. La branche, moi, je l'ai fait en vert. J'ai pas voulu rajouter trop de photos, trop de couleurs, pardon. Donc j'ai fait, j'avais pas grenouille guillerette. Si j'avais eu, j'aurais fait un grenouille guillerette. Sinon, ben, j'ai fait en vert olive clair et puis ça passe bien.
Oh oui, bah. Hein, les goûts et les couleurs, comme on dit. Hein. Exactement. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Comment on aurait tous la même marque. Oula. Oui, j'ai repassé par-dessus celles qui sont en noir. On a sorti ça un jour, mais non, heureusement. On a tous les mêmes celle avec les ah bah oui je vais te montrer celle avec les voitures ou avec les feuilles avec les feuilles alors je vous montre les prochaines cartes ouais ça sera en février donc les voitures ah bah justement avec le restant de papier de cette collection hop. Voilà. Toc. On a celle-là. Ouais. Celle-là, tu l'as vue hier aussi. Le petit cadre. Et ah oui, du coup, tu ne l'avais pas vu terminer ce matin. Ah, tu as été regardé. Et voilà. Voilà, tiens, Raymond. Je ne sais pas si tu... J'attends. C'est des feuilles, mais ouais. Mais ça, on dirait des plumes, ouais. Et voilà. Oui. Ah non, mais Raymond, faut pas que tu parles. Alors. Ah, faut que je prenne la main sur Zoom, rien que pour ça. Oui, c'est bon, tu vois. Ok. Voilà. Et puis, il y a une demande au mois de mars d'une carte de félicitations pour mariage avec un emplacement pour mettre un chèque. C'est un cahier des charges très... très précis. Voilà. Et puis une fois, je vois que vous commencez à... Enfin, vous terminez de colorier. Une fois que vous avez terminé de colorier, ben on découpe tout. T'inquiète. Et après, tu la mets où, la chatoyante ? La peinture chatoyante, je la mettrai après. J'ai mis sur les fleurs. Uniquement sur les fleurs, j'ai mis. Ouais. Mais on va... C'est trop moche. C'est merveilleux. On la mettra en dernier, la peinture chatoyante ou Wink of Stella. Ça évitera d'attendre que ça sèche pour manipuler la carte. Qu'est-ce qu'il y a, Raymond ? Ah, tu cherches un. Ta branche verte, pareil. Bah, écoute, c'est pas trop moche. C'est vachement plus clair. On va voir. Parce que moi, j'ai moins appuyé. Moi. J'ai moins fait de. Moi, j'ai fait plus de. Et on laisse un petit peu de blanc. Hein. On laisse une petite marge blanche, ouais, surtout qu'il y a des endroits où on ne va pas pouvoir aller couper. Par exemple, là, la petite feuille qui est toute fine, là, j'ai laissé du blanc autour. Donc vous laissez un millimètre blanc partout.
tapis qui tourne et pas de ciseaux. C'est ça? Ouais, moi, je fais comme ça. Je fais comme oui, ça. Avec le papier, ouais, on bouge plus le papier que le ciseau. Avec le tissu, c'est le contraire. Moi, je suis encore plus tout court. Je suis encore moins avec un bord. Encore moins avec un bord. Ouais, nickel, parfait Raymond. Un an et demi, je dirais. On avait dû commencer en septembre l'année dernière, ouais, un peu plus d'un an. Oui. Oui, je pense que ça va rester. On est sans masque et on n'a pas peur. C'est Anne qui dit ça. On se tient loin quand même. Même hein. Pas peur. Elles sont à un mètre de distance l'une de l'autre. Elles sont toutes vaccinées. Et moi, je suis à l'autre bout de la table. Non vacciné, alors on y fait gaffe hein, quand même. Je suis irresponsable et je suis pas vraiment citoyenne. Ouais. Nous emmerde. C'est pas comme ça qu'il a dit notre premier. Non, il a dit que c'était lui qui m'emmerdait. Ah il oui, a oui. Tout faire pour ah m'emmerder. Oui, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il m'emmerdait. Voilà, je suis président et je vous emmerde. Ouais, non mais... Et Anne, ça fait combien de temps qu'elle n'est pas sortie? T'entends, Anne? Martine demande depuis combien de temps t'es pas sortie de chez toi? Ah, elle va dans le village. Oui, elle a fait une excursion à la pharmacie, il y avait trop de monde, c'était trop bondé, du coup elle s'est confinée direct, sans se tester. C'est ça? Voilà, elle va chez le boucher à la pharmacie quand il n'y a personne. Ah, boulangerie. Mais je vous mettrai le haut-parleur tout à l'heure quand on aura fini la carte. Ce sera plus pratique pour discuter que je fasse l'intermédiaire. Sa femme était enceinte et nous a demandé de nous faire un test. Ce qu'on a fait, mais comme je l'ai dit, c'est un peu dur, on prend le TGV derrière. Se faire tester et prendre le TGV. Hein? Par contre, il y a pas mal. Comme le travail. Oui, ça t'a fait bizarre. Oui, j'ai découpé entre la branche et l'oiseau, oui. Ouais. Mais oui, ça va bien se passer. Non, tu coupes entre l'oiseau et la feuille, même si t'enlèves rien, mais ça te permet de passer. Après, si tu veux le faire au cutter, tu fais au cutter. Hein.
t'arrives pas à quoi? Oh, le découpage, je suis plus... Bon, ça va mieux avec ces ciseaux-là, mais je suis jeune. Ouais, ben, faut... Faut prendre le coup. Oui. Et Anne, elle t'a pas appris, ça. Ouais, ça, je crois que... Ouais, elle découpe pas beaucoup, Anne, hein. Elle colorie plus qu'elle découpe, Anne. Ah, voilà. Voilà, c'est ce que je dis. Elle découpe pas beaucoup. Non, parce qu'elle a toutes les matrices de découpe, alors elle découpe pas au ciseau. C'est ça, Anne. On va aller chez toi, Anne. C'est ça. Pourquoi découpe pas? Oui, voilà. T'as entendu, elles veulent s'inviter chez toi. Ce sera avec masque. Hein. Et après Covid, eh ben vous n'êtes pas prêts d'y aller, les filles. Ben oui, mais Anne, mais plus tu testes les gens, plus y a de gens qui sont dépistés positifs, mais c'est pas pour ça qu'il y a plus de monde qui est malade. J'ai entendu ce matin, ça fait une réunion qu'il y a moins de... Les hôpitaux sont moins... Ils sont pleins à 50 et quelques pourcents. Ben moi, ils ont dit ce matin qu'ils avaient ils ont planifié des interventions. Oui, parce qu'il y avait moins de monde. Oui. Voilà. Donc, c'est un petit peu bon signe, on va dire. Comme ça, hein. Nous, ça, c'est tout déprogrammé. Voilà. Je ne sais plus sur quel hôpital que c'était, par contre, ce matin. Je crois que c'est le Suisse civil. Les Covid représentent 50 et quelques pourcents. C'est le Sud, alors. D'accord. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas, quand j'entends, je passe sur quelque chose. Oh, ça m'interpelle. Faut vivre dangereusement, les filles. Faut vivre. Ouais, tout court. Donc même dans le coloriage, il faut oser. Avec le Covid. Il ne faut pas avoir peur. Non, pas avoir trop peur. Il faut se préserver. Ils disent qu'on va tous le choper, donc c'est le but, hein. On l'a peut-être déjà eu, hein. Je ne sais pas. Hein. Ça n'a rien à voir le cancer, mais des fois, il y en a qui vivent avec leur cancer pendant. Qui ne s'écartent jamais, qui l'ont, mais qui ne s'écartent pas. Ouais. Comment t'as fait là, toi, Martine? Celle-là? Moi, j'ai tout découpé. Bien. Bien. Oh, c'est toi qui étais dans les vapanes. Il était égal à lui-même. J'ai vu, t'étais avachie. De toute façon, son mari travaille. Ben oui. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Mais... Après, moi, si un jour elle veut venir et qu'il faut avoir le masque, on mettra le masque. Moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, si on veut passer un moment, si elle veut venir un moment, on peut mettre le masque aussi, hein. Je crois qu'elle n'a plus trop envie de sortir. Par contre, ce matin, je suis allée voir le médecin avec qui je bossais. Je suis rentrée dans son... Il était en consulte. Ah, j'ai pas regardé pour le 25 combien on va être. Moment, on enlève le masque, on n'en peut plus.
Parce que tu veux venir ? Non, j'ai fermé la porte. Bon. Je viens de demander à Anne si elle voulait venir pour la galette et elle m'a répondu d'une façon paniquée non, non, non. Donc je pense qu'on n'est pas prêt de la revoir. C'est ça, c'est qu'après tu paniques. Hein. T'as tort parce que t'aurais pu être la reine. Oui, il faut que je fasse mon cadeau. Comment j'ai fait la petite fleur ? J'ai laissé du blanc. Ouais, un oiseau sans bec, ça sert pas à grand chose. Ça fait fort, hein. Il est handicapé après. Est-ce qu'on a aéré 10 minutes chaque heure ? Non. Non, j'arrive pas, c'est trop froid. On va aérer à la fin de la séance. Après, quand t'as personne, c'est quand t'as du monde, surtout. Bon, dans les chambres, c'est toujours bon, c'est comme d'habitude, ça change pas. Hein. Ça change pas que Covid ou pas Covid. Bon. Oh, moi, j'ai aéré la chambre, et puis c'est bon. Hein. À la chambre aussi. Hein. Voilà, je fais pas de... Des fois, j'ai juste fermé après. Ah oui, moi aussi, ça m'arrive. Et souvent, moi, je suis à l'étage, si je remonte pas, les chambres sont à l'étage, moi, si je remonte pas, des fois, j'ai une putain. Oui. Il fait quand même pas bien chaud. Donc. C'est ça. Après, s'il fait froid. Je sors des fois. Tu chopes un rhume, ouais, dans les écoles, aéré, hop, il fait froid, tous les gamins chopent un rhume, c'est. Ah, des symptômes, on va tester toute l'école. Et en fait, non, c'était juste un rhume. Des fois, j'ai bien oublié. Il oublie. Je lui dis attention, je m'en vais, je n'ai pas fermé. Oui, oui, je vais fermer. Et quand je rentre, je prends. Ben, c'est toujours ouvert. Ça, c'est moi qui vous le fais. C'est vrai que 40 dans une salle, oui, il y a besoin d'aérer, ne serait-ce que pour l'odeur. Mais bon, nous, on est quatre. On est quatre. C'est quand même bien ventilé. Bah, quand même, il y a le. C'est pas hermétique, hein, le sous-sol. Hein. Ok, Raymond dit qu'elle est prête. Il y en a encore deux qui découpent un peu. Oui, Tatinette est prête. Bon, non, parce qu'il faut que je vide, faut que j'évite l'intérieur. Là. Martine est partie chercher une planche à découper et un cutter, je suppose. Quoique non, t'as tes scalpels. Martine, elle scrape façon chirurgicale. Et encore, j'ai pas le bon, là. Elle t'entend pas, Martine. Mais... Oui, bah, c'est ce que j'avais montré, ouais. Mais écoute, elle a l'air à l'aise. Ah, c'est celui-là. La lame trop souple. Elle a l'air à l'aise avec sa scalpel. Ouais. Toute une vie. Toute une vie. C'était toute une vie, oui. C'est ce que j'allais dire. On se faisait engueuler parce que moi je demandais aux filles, donnez-moi des scalpels pour couper mes papiers, parce qu'un acier passait. Il y a des ciseaux au magasin, arrêtez de me prendre mes scalpels, c'est terrible. C'est bon, ça coûte 3 fois 6 sous. Ça coûte très bien, c'est important.
Non, mais du coup, elle va... Elle chevauche, ouais. Elle arrive là, la bande, là, le rabat. Mais après, tu peux couper, hein, si tu veux. On va faire le bandeau, parce que j'ai fait qu'un pli. J'attends que tout le monde ait fini de découper. On va faire le bandeau. Après, on va coller les choses sur le bandeau. Et puis après, du brillant. Et puis voilà. Voilà, voilà. Allez, faisons le bandeau. Je finirai mon petit bouquin après. Parce que je n'ai pas les bons outils, là. Il faut que je change. Ça va pas, ça va pas. J'ai presque fini. Mireille, elle a presque fini. Non, je crois que tout le monde a trouvé ça facile, l'intérieur. Hein. J'ai une trace de colle. Hop. Je vais l'enlever avant que ça chope toute la saleté. Ouais, on n'a pas fait exactement celle-là, mais oui, on a dû faire qui ressemble, oui. Ouais, bah, les plis en diagonale, c'est classique. Mais sont jolis ces papiers, les couleurs sont jolies. Tu veux, Sandrine? Ah non, et j'attends Mireille. Ah, mais j'ai le temps, hein. Merci. Je m'attendais. C'est bon? Oui. Ouais. Alors, le bandeau. Alors, le bandeau, j'avais déjà marqué un pli pour que ça rentre dans les enveloppes. Je l'avais marqué à 4 pouces 3 huitièmes. Non. 1, 2, 3. J'ai déjà marqué un pli. 4 pouces 3 huitièmes. Non. Alors, attendez, non. 1, 2, 3. 4 pouces. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? 4 pouces, 3 huitièmes. 4. 3 huitièmes, ouais. 1, 2, 3. 3 huitièmes. Bon, bah c'est le mien qui est... Bon, bah c'est le mien qui est pas bien plié, et ben tant pis. Donc, 4 pouces, 3 huitièmes. C'est juste le mien qui n'était pas bien plié. Donc, vérifiez... Moi, c'était pas bien plié. Donc, 4 pouces, 3 huitièmes. Et le deuxième pli, 8 pouces, 3 quarts. 8 pouces, 3 quarts, dans le même sens, on garde dans le oui, sens vous gardez de... le même zéro. Ah, on garde le même zéro. Vous gardez le même zéro, 8 pouces, 3 quarts. 8 pouces, 3 quarts, c'est juste avant le 9. C'est 3 quarts, c'est entre 8,5 et 9. Voilà, c'est ça. C'est combien de... 8, 3 quarts le deuxième pli, et du coup vous devez avoir l'extrémité qui arrive au niveau d'un pli. Ah, il est déjà parti, mon chéri. Oui, on a dû lui faire peur parce qu'il ne pensait pas qu'on était là. Je n'ai pas compris le sens. 8, 3 quarts. Alors, Mireille, tu vois l'écran? Dans le même sens. Voilà. Donc là, tu as déjà un pli de marqué à 8 pouces, 3 huitièmes. Dans ce sens, oui, c'est ça. Voilà.
Et tu continues d'avancer. 4, 3 huitièmes. 4, 1, 2, 3 huitièmes. Le pli est déjà marqué. Mmh. Tu continues d'avancer jusqu'à 8 pouces 3 quarts, c'est-à-dire entre 8,5 et 9. Et tu marques un deuxième pli. Ah, Karine. Coucou, Karine. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, Raymond. Est-ce que le premier pli était bien 4 pouces 3 huitièmes? Ouais. Ouais. Et le deuxième, 8 pouces 3 quarts. Alors, je reviens. Alors, le premier pli, il est à 4 pouces 3 huitièmes, c'est-à-dire là. Donc là, tu as ton pli à 4 pouces 3 huitièmes. Tu continues d'avancer ta bande à 8 pouces 3 quarts. Voilà. Et en pliant, donc vous mettez le petit rabat à l'intérieur et vous devez avoir le grand rabat qui arrive au ras du pli. Ouais, ça c'est bon. Bah, tu n'étais pas à 8 pouces 3 quarts. Tu devais être à 8 pouces et demi. J'attends. J'ai fait du gâchis avec 8 pouces 3 quarts, c'est entre 8 et demi et 9. Voilà. Bon, on va le faire en centimètres. Alors, 4 pouces 3 huitièmes. 1, 2, 3. Tu as un pli à 11 cm,1. Tu continues d'avancer ta bande jusqu'à 22 cm 2,5. 8, 3 quarts. C'est pas le tout, il faut coller avant, non ? Et puis je vais aller voir ce qui se passe sur la table. Il y a des questions. Non, c'est bon ? C'est tout bon le bandeau ? Ah oui, on colle ? Ok. Vérifiez que votre carte elle passe bien dedans avant de coller. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Et à la limite, moi, ce que je vous conseille, c'est de coller avec la carte à l'intérieur. Comme ça, vous êtes sûr que ça passe. Alors, bien sûr, vous ne collez pas à la carte. Hein. Ah bon ? Donc, moi, j'ai laissé tout ça. J'ai mis de la colle là-dessus et je m'en suis servi pour le collage. Si vous trouvez que c'est trop grand, vous pouvez le réduire de moitié, ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Ah, tu le mets dessous ? Moi, j'ai mis dessous. Oui, moi, j'ai mis dessous. Oui, le petit bout dessous. Comme ça, le grand, il arrive à l'arête et c'est plus propre. J'ai failli gaffer. J'ai failli gaffer, toi. Non, mais après, ce n'était pas important. Hein. Ah, mais c'est les petits détails qui font que c'est plus propre. Non, j'ai fait tout ça. Alors, Raymonde, tu t'en es sorti avec ton bandeau ? Regarde, il reste du blanc là. Oui, c'est bon. Moi aussi. Parfait. Oui, et ben moi je m'étais trompée juste sur le mien, dis donc, de mesure. Voilà, et on aligne bien le bandeau. Et ensuite, on va coller les petites choses là uniquement sur le bandeau. Donc à la limite, je vous dirais d'enlever le bandeau pour être sûr de ne pas coller à la carte.
Si vous voulez pas le coucou, si vous voulez un joyeux anniversaire ou autre, bah, vous faites le souhait que vous voulez. Et si vous voulez coller avec des pastilles de mousse 3D, vous pouvez. Mais moi, j'ai trouvé que la carte était déjà pas mal épaisse, donc j'ai pas rajouté d'épaisseur. Mais si vous êtes fan d'épaisseur, vous pouvez le faire. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est mettre ces fleurs-là. Alors, j'ai mis dans quel sens? J'ai mis dans ce sens-là. Je les ai déjà collées derrière l'oiseau. Donc, j'ai fait un seul bloc. Les fleurs et l'oiseau. Et ensuite, j'ai collé le tout sur le bandeau. Un seul bloc, les fleurs et les oiseaux. Ce serait mieux. Ouais, tu vois mieux. La tinette, on compte sur toi, là. On peut voir celui que tu as réalisé, l'autre. Oui, je vois ça. Le bandeau, et tu peux nous le prêter. Je vais le repasser, si tu veux. Merci. Pardon. Juste pour que ça nous donne bien... Voilà. Bon, je mets là, regarde la vidéo, on la voit bien, là. Hein. Donc voilà, j'ai déjà collé hop, les grosses fleurs derrière l'oiseau. Après, je vais mettre le coucou. Hop. Et bien, ça va cacher nickel ma petite bêtise. Karine, elle est toujours là? Ah, coucou Karine. Ouais, ben, on a presque fini. Et puis après, on va passer en papote. Voilà. Et par contre, attention de ne pas dépasser en largeur, parce que si vous sortez du bandeau, vous sortez de la carte, de l'épaisseur de la carte, et ça risque d'être un peu juste pour rentrer dans une enveloppe. Alors vous pouvez dépasser en hauteur autant que vous voulez, mais en largeur, essayez de vous restreindre au bandeau. Voilà. L'oiseau, pourquoi qu'il dépasse? Alors on va pas, je vais mettre le coucou. On peut coller le coucou tout de suite faut... Oui, vaut mieux coller le coucou tout de suite, voilà. Ouais. Mais moi je peux pas le mettre. Vas-y, on va flécher. Voilà, puis vous jouez sur l'inclinaison. L'inclinaison, oui. J'ai perdu le coucou. J'ai perdu le coucou. On va le retrouver, Mireille. Donc voilà, la carte. Donc là, on mettra la petite bafouille. Et le bandeau. Coucou là. Et voilà. Alors je ne le mets pas tout à fait au centre, je le mets plutôt en bas le bandeau pour que l'oiseau soit plus au centre. Mais après, ça se joue à pas grand chose. Hein. Vous positionnez comme vous voulez. Non, elle s'ouvre pas complètement à plat. Elle s'ouvre pas complètement à plat. Donc là, c'est la version où j'ai pas collé. Si, j'ai collé, là. Elle s'ouvre comme ça. Ce qui est suffisant pour écrire et pour lire. Hein. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'écrire avant de coller ça à la base de carte. Tu verras à la rediff. Voilà. Allez. Eh bien, je vais couper là l'enregistrement et Twitch. On va rester à papoter sur Zoom. Donc, sur Twitch, on se retrouve mercredi matin 10h30 pour un nouveau prototype. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Tiens. Oui, c'est vrai que... Oui, hein.